Bon, vous appelez, oui. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. C'est très bruyant dans ce bureau. J'essaye de tourner une vidéo. Bonjour. Bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour Timothée. Bonjour. C'est nos deux nouveaux. Ah, j'arrive pas à vous avoir en même temps. Dans... Ludovic, tu t'en vas. Au revoir Ludovic. Salut Frédéric. Là, vous avez tout le bureau de la R&D. Le nouveau bureau de la R&D. C'est super grand ce bureau. Ludovic, il est 15h30 et tu t'en vas déjà? Alors, c'est déjà pas 30, c'est bien pas dépassé. Surtout, c'est pas 15h, mais. Bon, on a une semaine un peu chargée à se préparer pour SN. Fred, t'as bossé sur SN aussi? Un tout petit peu. J'ai préparé deux petites affichettes pour annoncer les prochains jeux qui sortent. Donc, ça, c'est pour nos collègues de l'export. On a un showroom sur SN et on va montrer un petit peu tout ce qui arrive. Et il y a des choses qu'on ne peut pas. Montrer complètement, mais du coup on les montre sous forme de petites affiches. Donc ça c'est Sea of Clouds, anciennement Putain de Flibuste, un jeu de Théo Rivière illustré par Miguel Quimera. J'avance un peu parce que les illus sont vraiment cool. Et je dois dire que la petite compo que t'as faite, elle claque aussi. Donc ça c'est annoncé pour avril 2016. Ouais. Et t'en as fait un autre sur Bunny Kingdom, le jeu de draft de Richard Garfield avec des lapins. Bon bah super, voilà voilà, cool. T'avais bossé sur d'autres choses pour SN, Fred? Je ne crois pas. Tu crois pas? C'est plutôt Mélanie. Ouais, c'est plutôt Mélanie. Bon là elle est pas ici, elle pourra pas nous dire. Dis donc, les deux chefs de projet là, vous savez déjà ce que vous allez faire sur SN? On va surtout accompagner Ludo. Ouais. Sur les rendez-vous. Vous avez déjà vu le programme de rendez-vous? Plus ou moins, on sait plus ou moins avec qui on va le faire, mais on ne sait pas encore exactement quand ça sera, on verra bien. De toute façon, on est là, on est sur place, c'est notre formation, donc on suivra Ludo et il nous emmènera où il veut. Ok, voilà. Petit jeu pour la vidéo du vendredi, devinez de quel pays vient Virginie après ce petit dialogue. Bon, et bien, de toute façon, on fera une vidéo du vendredi... mercredi sur SN, vendredi sur SN, la vidéo du vendredi c'est vendredi. Donc on vous y verra sans doute. Les manches de boue. Mais aussi. Pas toi. Ah oui, les manches de boue, on les montrait ça. Et ça c'est Mélanie qui a fait. C'est ça. Complètement à contre-jour. Merde, elle a fait des PLV à contre-jour. Allez, je vais descendre et je vais aller voir. Je me dépêche un petit peu parce que. Pour tout dire, il est 17h30 et tout le monde est un petit peu parti en week-end. Mais là-bas. Bonjour Patrice. Non, monsieur. Ah. Salut Patrice, ça va? Ça va. Bien. Un peu stressé, ouais. Je suis chez Mickey ce week-end. Vous allez chez Mickey? Ouais. D'accord, bah vous lui passerez le bonjour. Ouais, bah j'espère. J'espère que c'est bien, ça fait longtemps que je suis pas allé. Il est pas à votre chien? Non, il est à la maison, il fait dodo. Bon. Enfin, il dort, oui. Thomas, tu peux redire salut, je t'ai mis un gros vent. Salut. Ça va? Hop, Mélanie, je vous dis, elle était pas là. Ouais. Et. Kevin, dis donc. Ouais. C'est le bordel un peu dans ce bureau. On parlait recyclage, vous avez vu, on garde les bouteilles plastiques, c'est super important. Ouais. Il y a plein de trucs, là il y aura plein de goodies que j'emmène à SN. Et encore, hein, on n'a pas tout emmené, donc des goodies, hop. Hey, les goodies Big Book. Big Book. Donc le golem, ça sera quand on joue. Voilà. Et on a l'autre, on a le mime. Le mime, non, il est déjà sur la palette. Sur la palette, mais par ok. Contre, il y aura aussi pour les gens qui vont jouer... au Coni géant, la personne qui gagnera la partie, elle repartira avec un Space Pinguin. Au Coni géant? Ouais, au Coni géant. Qu'est-ce que c'est le Coni géant? Tu veux que je te montre le Coni géant? Vas-y. On l'a reçu. Alors en plus, je sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de PLV. Dis donc, dont ma copine, le chaperon rouge. Ah oui, c'est Thomas. Après. Ah oui, c'est toi Thomas qui a bossé là-dessus. Exactement. Il y en a combien des PLV du coup? Alors là, on est à 12. 12 grands avec des petites, on a des Pingo Pingo du coup. Oui, les Pingo Pingo qui seront même des PLJ, des promotions sur du lieu de jeu. De jeu, ah, on va vendre aussi, ça marche aussi. Les Pingo Pingo, ils pourront tirer sur des cibles super solides. Voilà. Super, elles tiennent comment celles-ci? Elles ont aussi un petit. Ah ouais. Un petit socle derrière. Hop. Ok, donc Pingo Pingo, ça sera sur le stand. Ouais, ça sera sur le stand. J'aime bien poser des questions auxquelles. Cool. Comme si j'avais pas déjà la réponse, tu sais. Ouais. Mais alors, les gens qui regardent la vidéo n'ont pas la réponse, donc tu poses la question. Question pour rhétorique. C'est ça. Hey! Des magots. Ah la vache, j'aime. J'aime trop son petit dragon. Salut Rémi, tu peux passer, t'inquiète pas.
Hop. Ah oui. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas deviné, Coney, dans le jargon yellow, ça veut dire King of New York. Avec des pommes grosses, tuiles géantes. Géant. Ah ouais, les tuiles, ouais, je les avais pas vues. On a même fait les points, enfin les tuiles rondes. Super. Les petits marqueurs. Donc voilà. Super. Et les monstres qui seront longés. Donc là, je vous filme à côté pour qu'on voit le... À quel point Captain Fish est énorme. Ouais. Énorme. Enfin, ouais. Je ne pas blague sur la taille. Ok. Pas comme ça. Super. Et les autres sont là aussi, hein. On a les 6. On a les 6 et du coup, les gens ils viennent, ils jouent. Voilà. Et le gagnant repart avec un Space Pingouin, c'est ça? C'est ça, ouais. Super. Voilà. Mon 10, qui est le monstre préféré de Mathieu, n'est-ce pas? Mais oui. Elle est trop cool quand même. Avouez. Elle est trop bien. Super, ouais, on est dans le rush des chaînes, donc on ouais. C'est pour ça que qu'on fait cette vidéo un petit peu à l'arrache, mais une vidéo du vendredi, ça va toujours être un petit peu à l'arrache. Voilà, là on a une tout gros, immense. Mais celui-là il est beaucoup trop gros, ce gobelin, c'est fou. Et le gobelin de Welcome to the Dungeon. Il fait un peu peur. Et j'ai encore une surprise dans la cuisine, si vous n'avez pas peur du bruit. Alors attends, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est très désagréable. C'est très désagréable, mais c'est trop bien. Tu t'es un peu foiré, d'accord. Ouais, je me suis un peu foiré. Mais en gros, ça sera des manches de boue gonflables qu'on aura sur notre store. Ouais, là. Mais qui sont bien solides et sur lesquelles vous pourrez jouer au jeu de la gamme mini, à Pingo Pingo et voilà, à plein de trucs. Ok, on enlèvera l'espèce de sac poubelle au-dessus. Le sac poubelle au-dessus. C'est pas très classe. C'est juste parce qu'ils sont arrivés aujourd'hui. Cool. Tout juste et franchement. Moi, le Niette, c'est clairement mon préféré parce que... Ah, la louve des steppes, elle est bien classe. Ok. Bon, et donc... Je veux préciser aussi, je veux m'excuser à tous les gens qui m'enverront des mails pour le SAV la semaine prochaine. Je n'y répondrai pas car je serai à Essen, donc je ne pourrai pas mettre des petites pièces dans des enveloppes, j'aurai pas le temps. Donc il faudra attendre mon retour d'Essen pour que je réponde au SAV. Ok, donc à partir du demi-octobre, quoi. C'est ça, voilà. Donc là, okay. Pendant une semaine, ça sera un peu... T'as Rémi, tu viens te montrer dans la vidéo. J'ai surtout oublié la vidéo. Ah, okay. Zut. Si déjà il est là, il peut dire le mot de la fin. Ben non, je voulais montrer un dernier truc parce qu'on on est passé tout à l'heure. Il n'y a pas que SN dans la vie, même si dans notre vie en ce moment, ça prend une grosse part. Mais je pense qu'on est à peu près prêt. On sera prêt tout juste, mais prêt. C'était ce qu'il y avait sur ce bureau. On a reçu tous les jeux de Ravensburger qui est notre... Salut Émilie. Salut. Qui est notre nouveau partenaire. Donc on a commencé à distribuer Broom Service, si je dis pas de bêtises, où on va commencer. C'est ça. Et on a aussi reçu toute une gamme de jeux de chez Ravensburger, donc peut-être des titres que vous connaissez déjà. Hop. T'as sorti mon préféré. Là, il y a du Cartagena, il y a du Labyrinthe, il y a du Indigo, Kuandel, qui l'a vu. Il y a même Strike. Voilà, donc ça, on commence à le distribuer dans les boutiques spécialisées dès la semaine prochaine. Pour vous, ça change pas forcément grand-chose, à part que les jeux seront plus disponibles dans les boutiques que vous avez peut-être l'habitude de fréquenter. C'est pas des nouveautés, mais il y a peut-être des choses que vous ne connaissiez pas et que vous découvrirez à cette occasion dans vos boutiques. Voilà. Émilie, tu connais le mot de la fin? Oui, à vendredi prochain. Bien joué.